espérant que le ciel se montre plus clément, Jean-Marc Bonnet-Bideau procède à quelques réglages sur le grand télescope de 2 mètres. L'histoire de Sirius est très étrange. Et il existe à son sujet une véritable énigme. Elle commence il y a assez longtemps, parce qu'elle commence en Alexandrie, donc en Égypte, à Alexandrie, la ville d'Alexandrie, où l'astronome grec Claude Ptolémée fait un catalogue d'étoiles. Il classe les étoiles, dont bien sûr Sirius, mais il prend la précaution aussi de déterminer celles qui ont différentes couleurs. Et il classe Sirius comme une étoile rouge. Or, en fait, quand on regarde le ciel, on peut le regarder encore maintenant et depuis beaucoup, beaucoup d'années, on voit toujours cette étoile brillante dans le ciel comme une étoile véritablement blanche. Alors, c'est ce qui constitue l'énigme de Sirius. Comment cette étoile, ou est-ce que cette étoile a changé vraiment de couleur? Pour se rendre compte de la difficulté que ça pose aux astronomes modernes, il faut quand même se rappeler qu'une étoile, on a appris depuis un certain temps qu'elle évolue et qu'éventuellement elle peut changer de couleur. Elle change de couleur comme le métal qu'on chauffe à différentes températures. Par exemple, le Soleil est plutôt jaune. En fait, Sirius est blanc parce qu'elle est plus chaude que le Soleil. Elle a à peu près 10 000 degrés de température à sa surface. Et donc, ça, c'est valable pour une étoile pendant des milliards d'années, parce qu'une étoile évolue à son rythme. Et une vie d'étoile, c'est 10 milliards d'années, par exemple. Et donc, évidemment, entre Claude Ptolémée et nous, actuellement, il n'y a que 2000 ans. Donc, comment expliquer, finalement, ce changement d'une étoile? On n'a jamais vu ça, effectivement, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que l'enquête et l'énigme de Sirius, c'est ça. C'est-à-dire, ou bien il faut changer tout ce qu'on connaît des étoiles, ou bien il faut trouver une explication sur ce qui est arrivé à Sirius. Et c'est sur cette piste-là qu'on s'est lancé, d'abord prudemment, parce qu'en fait, les textes de Ptolémée étaient très discutés. On voulait croire qu'éventuellement, il pouvait s'être trompé dans sa traduction, dans la traduction du mot grec employé par Ptolémée. Et on a fait des recherches, on a trouvé des textes chinois qui disaient à peu près la même chose que Ptolémée. À partir du moment où j'ai trouvé ces textes en Chine, alors j'ai pu dire, effectivement, il faut y consacrer du temps. Ça n'est plus simplement un défaut de traduction, c'est peut-être un fait historique qui s'est passé. L'hypothèse qu'on fait, et sur laquelle on est, en fait, cette enquête qu'on mène, c'est qu'on s'est dit, finalement, Sirius, on sait qu'effectivement, ce n'est pas une étoile simple, on le sait déjà, c'est une étoile qui est double, qui a un petit compagnon qui tourne autour, et ce compagnon ne peut pas faire changer la température et l'aspect de l'étoile. Et on s'est dit, il y a peut-être un autre compagnon autour de Sirius. Donc Sirius ne serait pas une étoile double, mais une étoile triple. Et on est à la recherche de cette petite étoile. Pour que l'étoile puisse changer de couleur, cette espèce d'étoile, en fait, compagnon, serait un espèce de trouble fait. Il viendrait en quelque sorte comme un petit peu comme les comètes autour du Soleil. Les comètes viennent de très loin et se rapprochent du Soleil jusqu'à ce que se brûler à la surface du Soleil. Eh bien, cette petite étoile pourrait faire de la même chose, se rapprocher, être actuellement très loin de Sirius, se rapprocher peut-être tous les 2000 ans, puisqu'il y a 2000 ans, effectivement, Claude Ptolémée nous rapportait que l'étoile était rouge, et venir en fait perturber totalement l'atmosphère de Sirius, donc la rendre rouge parce que, comme le Soleil à l'horizon, une étoile qui est environnée d'une atmosphère se rougit sa lumière, sans changer de température, mais elle se rougit par le fait qu'elle doit passer à travers une couche de matière qui lui est extérieure. Et donc on cherche, à l'heure actuelle, à retrouver cette petite étoile. Ce qui est amusant, c'est que cette enquête, qui a l'air un petit peu anecdotique au départ, puisque finalement, trouver une petite étoile autour d'une grosse étoile, bon, il doit y avoir beaucoup d'autres, est assez essentielle, parce que si jamais on ne trouve pas cette cause-là, il faudra effectivement revenir sur notre compréhension des étoiles, essayer de chercher si dans la machinerie elle-même de l'étoile, dans comment elle produit sa lumière, on sait que les étoiles produisent leur propre lumière, eh bien, il n'y a pas eu quelque chose de plus important, et donc il faudrait à ce moment-là l'appliquer à toutes les autres étoiles connues, et donc il y aurait une application extrêmement importante pour l'astrophysique moderne. Donc c'était un petit peu le jeu, c'est un petit peu un quitte ou double, c'est-à-dire où on trouve ou on ne trouve pas, mais de toute façon, ça a une énorme implication sur la compréhension d'une des étoiles les plus importantes. Elle a un deuxième volet de son énigme, mais là, ça nous entraînerait sans doute trop loin, mais c'est très très intéressant pour un astrophysicien de découvrir tout d'un coup qu'on peut tout d'un coup débarquer dans l'ethnologie, parce que c'est une population du Mali qui s'appelle les Dogons, et il y a une histoire autour de Sirius très étrange et qui n'est pas non plus élucidée. Les Dogons du Mali, qui sont des populations qui sont restées assez isolées pendant assez longtemps, connaissent Sirius, bien évidemment, mais ils disent connaître le compagnon de Sirius.
Or, les Dogons qui existent au Mali existent depuis le XIIIe siècle au Mali. Et cette mythologie Dogon est là depuis le XIIIe siècle. Alors, tout le monde s'interroge, comment pouvait-il connaître effectivement le compagnon de cette étoile Sirius, qui évidemment a dû être observée très longtemps, avec les instruments modernes, disons quand même un peu anciens, mais pour qu'on puisse découvrir une très 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 petite étoile à côté. Et les Dogons l'ont observée à l'œil nu. Alors, ils l'observaient uniquement comme on l'observait dans les époques les plus archaïques, avec des rochers qui montraient des alignements. Donc ça, c'est une énigme passionnante. Je me suis rendu au Mali avec des ethnologues pour essayer de résoudre ça, mais alors là, c'est beaucoup plus compliqué. On sort et on arrive à, effectivement, des notions... J'ai une hypothèse, hein, mais c'est-à-dire que, puisqu'on se rapporte à cet événement spectaculaire qui a été vu par Ptolémée, c'est-à-dire que l'étoile a changé de couleur, l'hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est que les Dogons, évidemment, ont une tradition astronomique qui leur est rendue, peut-être par l'intérêt des Égyptiens, ou rappelons-nous que Ptolémée était à Alexandrie, en Égypte. Et on peut très bien comprendre qu'ils aient hérité de cet héritage d'avoir vu un événement autour de Sirius, et eux l'ont peut-être attribué à une cause portée par quelque chose autour de l'étoile, d'où l'idée que l'étoile aurait été accompagnée de quelque chose d'invisible. Donc c'est amusant, puisque c'est un petit peu la même chose qu'on cherche. On cherche quelque chose qui est actuellement invisible et qui aurait causé cet événement. Mais est-ce que c'est ça le même raisonnement qu'ont tenu les Dogons? C'est tout à fait possible, hein, tout à fait possible. On est très étonné que dans l'histoire des hommes, la réflexion qu'on peut avoir sur l'univers, elle est en dehors du cadre purement scientifique. Elle est parfois faite d'intuition complète. Un philosophe qui s'appelait Kant, par exemple, a eu l'idée totalement ex nihilo de rassembler des étoiles dans des nuages d'étoiles que nous appelons aujourd'hui galaxies. Mais lui en avait une idée totalement abstraite, mais réelle, enfin réaliste, qui s'est confirmée. Je pense que pour un scientifique, quand on a une idée et qu'on la poursuit, on y accorde du temps, c'est de l'effort. Il a fallu aller, par exemple, deux fois au Chili, une fois au Pic du Midi, passer des nuits d'observation, ils ne sont pas toujours très confortables. On suit une idée, on y accorde du temps pour la voir, en fait, triompher de certaines façons. Mais en même temps, on a cette espèce de modestie du chercheur qui fait qu'on sait que notre idée a une chance sur 10 d'être la bonne, en fait. Mais ça vaut le coup, et la démarche est la suivante, on va toujours jusqu'au bout, parce qu'en chemin, même si elle se révèle fausse, l'idée, elle donnera accès à une autre connaissance. Donc c'est une espèce d'embranchement. Il faut être attentif à ça, il ne faut pas aller toujours dans la même idée si elle se révèle fausse, mais forcément qu'en cherchant autour de Sirius, je vais trouver autre chose. Et ça, c'est une constante de la recherche scientifique. On a des fois des objectifs, on ne les atteint pas, mais en chemin, on découvre bien d'autres choses. Disons-le clairement, voir une étoile que jamais personne n'a vue, c'est quand même très excitant. Surtout que c'est certainement une étoile qu'effectivement, il est très difficile, même à l'heure actuelle, de voir. Donc ça veut dire que des efforts auront porté leurs fruits. Et ce désir, c'est aussi que, en fait, l'idée me paraît belle. L'idée me paraît belle parce qu'on n'imagine jamais ces interactions, cette vie des étoiles, cette façon. On les considère comme des astres, très, très, très calmes, etc. Et en fait, de temps en temps, on s'aperçoit que la nature, en fait, nous joue des tours. Elle nous joue une scène uniquement pour nous, pour que les hommes s'en souviennent, en fait. C'est très rare dans l'univers, quand même, hein. On compte en milliards d'années. De temps en temps, et là, les choses sont rares, on voit exploser une étoile. C'est peut-être une jouissance pour l'astronome d'être le témoin historique d'un événement céleste et cosmique. Parce que sinon, nous sommes des observateurs, nous sommes des contemplateurs. Et au moment où il se joue un jeu comme ça, l'idée de dire peut-être que si je trouve cette étoile, et qu'en plus, comme Halley pour sa comète, je peux dire, en ayant calculé la trajectoire qu'elle a, eh bien, dans 1500 ans, elle reviendra autour du Sirius refaire une couleur rouge à Sirius, c'est quand même très extraordinaire. S'imaginer qu'en fait, c'est le legs ultime, c'est-à-dire qu'effectivement, comme moi, je me suis servi de Ptolémée, dans 1500 ans, si ça marche, les gens se diront, ben voilà, on avait prévu ça, et c'est arrivé.